Oh yeah, moussaillon! J'espère que ça guette pour toi. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo particulière. En tout cas, cette vidéo me met du baume au cœur à moi parce que j'ai trop hâte. Comme tu l'auras vu, on se retrouve devant cette étagère pseudo-Kallax qui est bourrée de livres. Si tu suis mes aventures ici, si c'est pas le cas, ben, je t'invite à t'abonner pour suivre mes aventures. Elles sont parfois épiques. Et je l'ai rangée dans l'armoire de mon salon. Mais c'était pas très pratique et j'avais envie de vraies bibliothèques. En attendant, je les avais entassées ici dans cette étagère. Mais autant te dire que tu vois, ça déborde, ça dégueule de partout. Et je ne peux même pas ranger les derniers livres que j'ai achetés. D'ailleurs, il va falloir que j'aille les chercher. Pour le coup, j'ai acheté 3 étagères. Mais je voulais pas les étagères classiques Billy de chez Ikea. Tout le monde a les mêmes, c'est vu, revu. Je voulais un truc un peu plus... je sais pas si je peux dire authentique, mais avec un aspect un peu ancien et tout, et j'ai trouvé 3 étagères. Il y en a que 2 qui sont pareilles, la troisième n'est pas pareille, et ça, ça m'a pas été indiqué quand je les ai achetées. Donc ça m'énerve un peu parce que j'ai quand même payé 80 € pour 3 étagères, ce qui est pas cher en soi, parce que je crois que c'est tout juste le prix d'une Billy chez Ikea, 80 €. Mais ça a été très épique à monter, les meubles en fait étaient en moins bon état que ce qui était annoncé. Sauf, ben, j'ai envoyé des proches les chercher. Moi, j'ai récupéré les meubles comme ça. Apparemment, c'était assez épique pour les récupérer. Je pense que les gens étaient bien contents de s'en débarrasser. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait un peu d'originalité dans les étagères. Donc, pour le coup, je vais te montrer les étagères. On s'occupera de vider tout ce qu'il y a ici et de ranger petit à petit. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a du boulot. Nous voici devant mes nouvelles étagères. Ne sont-elles pas belles et mignonnes? Je les adore. Elles ont un côté très ancien et c'est vraiment ce que je voulais. Et ce que j'adore, c'est cet aspect qui peut faire un peu cottagecore, un mélange entre des bibliothèques façon Hobbit, tout droit sorti du Seigneur des Anneaux. Bref, ce sont les vibes que j'adore. Et nous allons non seulement ranger les livres, mais nous allons aussi décorer parce qu'il y a de la place au-dessus, juste ici, où on va pouvoir mettre des choses. Et je vais mettre des petites décos sur les étagères, comme tu peux voir par exemple ce petit pot à plantes qui n'a pas encore de plantes. Je pense pas qu'il y en aura à la fin de la vidéo, mais je compte bientôt acheter une petite plante, une jolie petite plante grasse pour ce pot. Il le mérite. Il faut juste que je passe un changement parce que ici, comme tu le vois, il y a une planche. Et en fait, il n'y en a qu'une seule, mais j'en ai 2 en bas. Et en fait, je voudrais en mettre 2 ici et une en bas. Par contre, pour tout ce qui est manga, j'ai peur de ne pas avoir assez de place. Et tu pourras le remarquer que celle-ci, là, les deux là sont identiques. Alors que celle-ci n'est pas du tout pareille. C'était pas prévu. Là, on a un petit peu trop tergiversé. Donc, on va ranger les livres. Let's go. Non, je suis essoufflée, mais j'ai ramené les livres. Ce que je vais faire avant de changer... Non, je vais changer tout de suite l'étagère de place. Je sais pas. Je vais voir. Ce que je compte faire, vite fait, c'est mettre les mangas dans celle-ci. En espérant, à moins que je les mette dans celle-ci, les mangas. Là, je vais voir comment je vais faire. Je vais sûrement devoir en mettre plusieurs sur le même rangée. Mais je vais essayer de principalement mettre les mêmes séries sur une même rangée. Ou un truc similaire. Mais je vais essayer de... Bah bref, on va essayer, je suis pas sûre que tous mes livres rentrent dedans. Je vais déjà changer cette étagère là de place. Ou je le fais après, comme ça je vois avec la hauteur des livres. Je pense que je vais faire ça. C'est trop cool. J'ai réussi à ranger tous les mangas ici. J'en ai pas tant que ça, ça s'arrête ici. Mais on peut savoir aussi que je n'ai revendu certaines séries au fil des années, parce qu'il y a des choses que je ne les ai plus, qui ne m'intéressaient plus. Donc je vais pouvoir me concentrer, essayer de compléter cette série-ci. J'essaie un petit peu de ranger par d'abord les seinen, les shonen et après les shoujo, mais je me suis sûrement embrouillée. Par contre, je me retrouve que ben... Ça, ce sont les doubles que j'ai. Donc oui, un tome 8 et un tome 7 de Platinum Head et 3 tomes, les 3 premiers tomes de Silent Voice. Donc ils seront mis en vente sur mon Vinted.
Je vais me séparer de certains livres. Je vais refaire un peu de tri, quoi. Voilà, au fur et à mesure, mais je te montrerai à la fin un petit peu les choses. Mais on va faire ça. Donc là, je sais pas, il y a encore de la place, mais je me dis que c'est pas assez haut pour mettre une BD. Que sinon, j'aurais bien mis les BD en bas. Tu ne vois pas, mais je vais essayer de te montrer en bas. Voilà, juste là, mettre les BD. Je sais pas trop, on va voir. Je suis très basse, trop basse, mais ça y est, j'ai réussi à ranger les BD. Et en fait, ce que je pense faire, c'est que là, je comptais mettre les BD, en fait, sur, enfin, je vais mettre en bas, mais là où il n'y aurait qu'une étagère. Et je me suis souvenu que j'avais des grands livres encyclopédiques qui ne rentraient jamais. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire ça. Ensuite, je m'attaquerai aux romans. Sachant que les romans, c'est ce qui me fait le plus peur, parce que je me dis que ça ne va pas rentrer. Donc ça y est, j'ai rangé toutes les encyclopédies, enfin tous les livres genre cinéma, musique, les livres de spectacle et ici tout ce qui est encyclopédie de fantasy. Je pensais que j'avais 36 000 trucs mais ça va en fait, ça me rassure. Je suis plus toute seule, c'est pour ça que je rigole. Ici je pense pas que tu verras mais j'ai mis tous mes livres sur la culture amérindienne, sachant que je vais en sortir certains. Mais voilà, et puis il y a des livres auxquels je tiens un peu, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Je vais remettre les étagères correctement en haut et je vais ranger d'autres livres. Je vais peut-être ranger genre développement personnel et puis je sais pas trop quoi. D'ailleurs je pense qu'ici je peux mettre aussi un petit peu tout ce qui est livres genre ésotérique, je pense qu'ici ça rentrerait. Et en haut je pense que ouais, je vais faire ça, développement personnel, peut-être livres pour enfants parce que finalement je pense pas en avoir tant que ça. Et je garderai celle d'à côté pour tout ce qui est roman.
Ça y est, les trois étagères sont rangées. Il y a tous les livres, il y a encore des trous, mais il y a encore quelques livres qui vont devoir aller ici. Mais non, tout est rangé, il y a de la place. Je me mets même encore des demi-étagères en bas, non, je... Voilà, il y a de la place, bah, tant mieux. Bon, c'est pas non plus le but de racheter plein de livres pour les remplir, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a de la place et... Voilà, ça c'est encore des livres que j'ai sortis de la bibliothèque, parce que soit je les ai en double, soit je ne les lirai plus, et souvent bah, ils n'ont plus d'intérêt à l'instant T pour moi. Pour faire un petit topo, assez rapidement, ici j'ai décidé de ranger les mangas comme je te l'avais dit. On verra mieux comme ça. Donc j'ai vraiment essayé de faire un truc seinen, shonen, shoujo. En dessous j'ai mis tout ce qui était BD. Principalement BD, quelques comics et livres, soit de BD, soit un peu magazine, comme par exemple des Mickey magazine couchés, parce qu'il n'y a pas la place autrement. Juste ici, j'ai décidé de mettre les livres que je considère un peu lecture, un peu plus adultes, qui ne sont pas de la fantasy, ou qui ne sont pas de la jeunesse, ou de l'ado, ou du young adulte, enfin bon bref, des trucs comme ça. Ici, c'est tout ce qui est développement personnel et psycho. Là, c'est des livres un peu plus utiles. Soit des trucs un peu plus encyclopédiques, mais qui n'allaient pas sur les autres étagères d'encyclopédie, ou des livres pour apprendre des choses. Voilà. Là, j'ai mis tous mes livres jeunesse. Certains classiques, je considère que ça rentre aussi des fois dans les livres jeunesse. Les contes, les livres de théâtre et les livres de poésie. Voilà, j'avais pas énormément de chaque catégorie, donc autant les mettre ensemble, ça prendra moins de place. En dessous, j'ai mis toutes mes encyclopédies de fantasy. Voilà, tu les verras mieux. Toutes mes encyclopédies de fantasy. Tu peux voir là où du coup les mangas et les livres couchés. Et en dessous, c'est toutes les encyclopédies genre cinéma, musique, jeux vidéo aussi, tout ce qui est les livres, les guides pour certains jeux vidéo. Et ça, c'est tout ce qui est sur la culture amérindienne que j'ai déjà lu ou que je dois lire, mais que voilà, j'ai envie de garder. Un livre que j'avais étant plus jeune pour apprendre le piano, parce que je me dis, c'est tombé jamais, je ne sais vraiment pas pourquoi je le garde. Et deux livres, un sur les Gaulois et un sur un petit peu les fossiles, les volcans, la préhistoire, tout ça. Mais c'est des livres que j'ai depuis que je suis enfant et que j'aime bien, ça m'arrive de les refeuilleter. Et un magazine que je n'avais pas rangé. On a aussi tout ce qui est un petit peu spectacle. Bon, voilà, il y a un petit peu tout ça. Et juste ici, j'ai rangé là des livres de fantasy, mais c'est plus de la fantasy jeunesse et je ne savais pas trop où la ranger. Là, j'ai mis mes Harry Potter avec les à côté. Donc en à côté, j'ai que les contes de Beedle the Bard et la première édition, enfin la première version française des Animaux Fantastiques. Et le Quidditch à travers les âges, je l'ai en anglais parce qu'on me l'avait offert en Angleterre lors d'un voyage. Un proche qui me l'avait offert, hein, voilà. On ne m'offre pas des livres comme ça. Et le truc, c'est que ben, il est en anglais et je ne lis pas encore parfaitement l'anglais. Donc bon, je le rachèterai sûrement en français, je verrai bien pour l'édition anglaise. Et puis après, ça c'est tout d'autres livres fantasy, je savais pas trop trouver. Ici on a tout ce qui est Chevalier d'Emeraude principalement, et des livres un petit peu, je dirais pas dans le même vibe, mais dans le même type littéraire. En dessous, et les livres ados, mais un peu plus, comment dire, les livres ados un peu plus non fantasy en tout cas. En dessous encore, on va descendre, oui, juste ici j'ai mis les Twilight que je n'avais pas rangé. Et en dessous, tous les livres de ma moitié qui sont beaucoup de la fantasy. Bon, il me reste aussi plein de trucs à ranger comme ça, comme les marque-pages que je ne sais pas où ranger. Et ça que j'avais enlevé pour pas l'abîmer, mais à force de le mettre de côté pour pas l'abîmer, ça finit par être abîmé. C'est le... Je sais pas comment on appelle là, le petit truc en papier qui est autour de certains livres. Sur ce rangement de bibliothèque est fini, j'espère qu'il t'aura plu. Nous on s'est dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!